Salut à tous, on vous retrouve avec Pixel Tux en direct du petit salon de PlayStation Vita sur Londres. Et là, on voulait vous présenter Escape Plan, parce que vous savez que vous l'attendez un tout petit peu. Donc j'ai la chance de l'avoir entre les mains, et là j'en suis, voilà, je pense que c'est le premier niveau d'ailleurs. Donc pour avancer, faire avancer la petite bébête, c'est tout par tout sur l'écran tactile. Voilà, arrêtez, vous faites deux fois, et là je vais attendre que la plateforme soit au maximum. Vous voyez, tous les décors, je peux faire presque tout bouger. C'est assez formidable. Il est assez beau, même si c'est du noir et blanc. Enfin, on avait vu déjà, par exemple, avec Limbo, les jeux noir et blanc peuvent être super jolis. Mais celui-là, c'est du petit bonheur, quoi. Donc en fait, c'est voilà, des petites énigmes comme ça, vous trouvez dans une pièce. Et il faut absolument que vous en échappiez. Donc les premiers niveaux sont assez brefs, on va dire, mais ça vous familiarise déjà un minimum parce que enfin, avec le jeu et le gameplay, parce que c'est quand même pas évident. Donc oups, attention, il s'est cogné le pauvre. Alors là je vais essayer de faire dégager le petit lit qui est là, vous voyez. Essayez, hein. Et voilà, je le pousse, c'est formidable, donc notre ami peut passer. Allez hop, c'est parti. Il marche pas très vite quand même. Hein. Non mais non, il est un peu paresseux, j'avoue. Donc voilà, après vous avez les scores, c'est vraiment vraiment, c'est la simplicité. Mais oula, attention, non, arrête-toi. Il m'obéit au doigt et à l'œil, c'est le cas de le dire. Je sais pas. Ah voilà. Là, tu utilises le touchscreen arrière. Exactement, avec mes petits doigts. Là voilà, je les pousse en fait pour que notre ami puisse passer au maximum. Vous voyez, ça fait des petits ronds noirs en général. Ce qui est caractérisé par le noir, c'est le rare touchpad qui est derrière. Et le blanc, c'est quand j'utilise l'écran principal en avant. Voilà, donc on peut y aller mon ami. Si t'es pas trop fatigué. Oh non. Oh c'est pas possible. Bon, j'espère que vous avez vu ça, c'est quand même le fait intégral. Je vais essayer de le rejouer. Si c'est... Voilà, il est d'accord, c'est formidable. Allez hop, on s'arrête. Voilà. Voilà, je fais avancer avec le rare touchpad qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà, celui-là aussi, j'avais oublié le petit troisième. Ne jamais oublier celui qui est caché. Allez, on y va. Oups. Et voilà, donc c'est très poétique, c'est très joli. Je pense que tout le monde peut passer un très très bon moment avec Escape Plan. Ça fait penser à Limbo quand même. Un peu penser à Limbo avec voilà, les intrigues et c'est vrai que le noir et blanc. Mais oups. Voilà, pour l'instant c'est vrai que c'est des niveaux assez simples. Oula. Non, non, en fait, non, je retire ce que j'ai dit. J'espère que... Et je pense de toute façon que ça se... Ça devient de plus en plus difficile. Et voilà, je me suis échappée. Merci à tous et on se revoit bientôt. Ciao.